Jacob Mahy, le professeur de religion islamique de l'Athénée royal Leonardo da Vinci. Sur ces images, on le voit discuter avec des jeunes à l'issue d'une conférence donnée à l'IEX en juin 2013. Il parle des départs en Syrie de manière ambiguë et sans les condamner. Ces jeunes sont partis au nom de leur spiritualité, en reconnaissant que leur engagement se fait pour Dieu. Eh bien, je pense que quand on dit Dieu et on vit intérieurement la notion de Dieu, on revient avec une aspiration à l'espérance. Et on prend conscience du danger qui nous guette quand on porte les armes contre autrui. Nous n'avons pas réussi à le joindre, mais il s'exprime régulièrement publiquement. Il a par exemple défendu la venue, lors de la dernière foire musulmane, du prédicateur koweïtien interdit pour ses propos antisémites. Ou pris des positions ambiguës sur l'homosexualité dans l'émission Mise au point sur la RTBF. Il se réclame aussi du philosophe français négationniste Roger Garaudy. Des propos qui interpellent, d'autant plus qu'il est professeur dans le secondaire. Nous avons rencontré l'un des inspecteurs des cours de religion islamique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien sûr que ça m'interpelle, hein, donc des attitudes pareilles, mais je me limite à mon devoir au niveau de l'école, au niveau de l'établissement scolaire. Donc notre rôle en tant qu'inspecteur, ce n'est pas d'aller voir ce que les gens font à l'extérieur de l'établissement scolaire. Il y a 3 inspecteurs pour les 650 professeurs de religion islamique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Autant dire que les enseignants sont suivis à plus ou moins longue échéance. Si on a vraiment une réclamation ou une interpellation d'un chef d'établissement, on va donc sur place pour inspecter donc l'enseignant. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais reçu de plainte concernant M. Mahy. Jacob Mahy a-t-il encouragé ses élèves à faire une pétition contre leur prof d'histoire? C'est ce que soutient Diallo, l'élève passé à tabac par une dizaine de jeunes pour avoir soutenu son professeur d'histoire. L'enquête administrative menée dans l'école devra faire la lumière.